être arrivé à 7h ce matin, on attendait ça impatiemment depuis des semaines. Ça a été mon président pendant 5 ans, le président de tous les Français, de toutes origines, de toutes opinions. Et je suis très content, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, il m'avait invité quand il était maire de Neuilly, je me souviens très très bien. Et j'avais envie de le revoir et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Il a une vie toujours maintenant tellement passionnante, tellement riche, que tout ce qui le concerne m'intéresse. Bien dans les Alpes-Maritimes, et c'est toujours avec un immense bonheur, une grande joie qu'on l'accueille dans les Alpes-Maritimes. C'est une façon de soutenir le travail formidable qui est fait ici, dans cette belle librairie indépendante, grâce au talent, au courage de Florence. Et lorsque j'ai proposé à Nicolas Sarkozy de venir, je lui ai dit, écoutez, ce serait bien que vous veniez à Cannes, où vous avez des supporters, vous le savez, mais aussi parce qu'il y a une belle librairie indépendante. Il a tout de suite répondu positivement. Et je suis très, très sensible à cette marque d'élégance. À l'égard d'une librairie indépendante. La culture, c'est pas une bulle d'esprit, c'est avant tout une existence physique dans des commerces qui permettent de transmettre des biens culturels. Donc, oui, je suis très heureux, bien sûr, de voir la foule qui est là et de faire ainsi parler de la librairie autour d'un livre, qui est la librairie indépendante de Cannes. Hein, et qui, dans une époque où tout est dématérialisé, eh bien, rappelle que l'objet physique qu'est le livre a de l'avenir. J'ai été très heureux d'être dans cette librairie, autour d'un livre, avec la libraire, que j'aime beaucoup. C'est un lieu de civilisation. Je vous remercie de m'avoir reçu. J'ai rarement été aussi bien reçu. Bon courage, merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Tome 2, ici. Merci. Merci.
Merci, monsieur le président, et merci à notre maire. On a un maire exceptionnel, je sais que vous le savez. Et on est très fiers de lui. Ça m'énerve un peu, mais.